mecs qui font du drôle sur internet. Alors décale-toi un peu, parce que vraiment c'est vraiment centré au milieu quoi, là, comme ça. Parce que là j'étais déjà un peu sur le côté. Et voilà! La mise au point elle est pas genre là. Non, c'est bien fait. T'es sûr? C'est très bien fait. Qu'il le renvoie trop par la caméra. J'ai bien fait la mise au point, messieurs dames. Je suis avec Lucas de la chaîne Ciné JDR. Oui. C'est la première fois que je présente ton nouveau nom de chaîne. C'est vrai. Ce qu'on a déjà fait, on a déjà fait pas mal de JDR Story. On a fait Alien. Ah, juste Alien, ouais. On a juste fait Alien et puis on a parlé longtemps. C'est pour ça que c'était pas mal. Oui, c'était ça. C'est parce qu'on a joué à plein d'autres trucs qu'on n'a pas raconté. Mais. Et voilà. Mais aujourd'hui, il est temps, messieurs dames, qu'on vous parle de la légende. Qu'on parle enfin de DGenesis. Le jeu de rôle. Alors. Si je peux déjà donner un peu mon point de vue, puisque Cyril, on fait pas mal de jeux de rôle ensemble, maintenant on est vraiment devenus potes et tout, donc on a vraiment notre petit groupe avec qui on en faisait beaucoup. Et à un moment, il nous parlait plusieurs fois, il disait ouais, j'ai un jeu post-apo, ça s'appelle DGenesis. Moi j'avais vu un visuel et le post-apo ça m'intéressait, mais pas du tout. Il dit qu'il y avait un jeu de rôle alien qui se faisait. J'étais, je pense, la personne la plus sceptique au monde. Je me suis dit, mais à aucun moment je vois ça, à aucun moment ça va m'intéresser. J'aime beaucoup la franchise, mais... C'est quoi cette merde? Non, mais genre, c'est bon, je connais, quoi. Tu sais pas, genre, ouh, il y a un alien. Ouais, bah, je connais, donc j'avais peur d'avoir aucune surprise et tout ça. Et le scénario, il est trop, trop bien. Il est vraiment ultra bien foutu. C'est trop drôle, parce que la vidéo alien, elle commence exactement pareil. Tu dis, oh, alien, ça m'intéresse. Le mec, tout ce qu'il me propose, c'est de la merde. Non, c'est pas ça. Et que ça me disait vraiment pas, mais t'as raison, c'est vraiment la même chose. Et du coup, en fait, il nous a proposé de faire tout un week-end, on allait faire que ça, genre c'était 2 jours, 3 jours, je sais plus, non-stop, on allait faire que du jeu de rôle. 4 Parce que, enfin, 4 jours, ouais, 4 parce jours. Parce que t'arrives le soir et tu joues 3 jours, 4 jours. Voilà, jours. Mais c'est-à-dire, c'est un week-end du matin au soir, on fait ça. Donc j'ai dit ouais pour ça, peu importe l'univers, je connaissais vraiment pas du tout. Et pour vous dire. Là, on a déjà fait 2 campagnes et on va faire la 3e. Et si vraiment ce jeu de rôle tient toutes ses promesses, moi, ce sera mon jeu de rôle préféré de tous les temps. Voilà, je le trouve complètement incroyable. Let's go! Bien réussi! Let's go! Non, c'est pareil, c'est ce jeu de rôle-là. Alors, c'est très cool parce que moi aussi, j'ai découvert en tant que joueur. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que j'ai découvert DGenesis. Tu m'as raconté. C'est Johan qui a joué à la 2e campagne avec nous. Ouais. C'est. Alors, on va parler de En ton sang, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. On va faire une 2e vidéo où on parlera de Jeu de massacre. Et... En ton sang, c'est la première campagne. Et ouais. Jeu de massacre, c'est la 2e. Et bien longtemps, bien plus tard, on parlera de Black Atlantic. Et dans l'idée, c'est de suivre toujours le même groupe de personnes, à peu près. Ouais. Donc on va pas les mêmes personnages, malheureusement. On va parler de En ton sang. Et donc, moi, cette accroche à DGenesis, ça s'est fait en tant que joueur. Et j'ai été. En fait, je suis tombé dedans parce que je me posais trop de questions. Je pouvais pas me dire, mais c'est pas possible. Je peux pas rester simple joueur. Ouais, ouais. Je peux pas rester simple acteur de l'univers. Non, il faut que je comprenne tout. Franchement, c'est un des univers les plus riches que j'ai fait. En fait, il est tellement développé, complexe. Il y a des couches de secrets que tu découvres sans arrêt. T'as toujours des nouvelles révélations, mais complètement incroyables sur l'univers où tu pensais que t'avais compris de quoi on parlait. Et en fait, vraiment, t'as une espèce d'un coup de choc mental. Pour moi, c'est les mêmes effets que l'attaque des titans. Vraiment, ouais. Tu découvres sans arrêt des nouvelles parts de la fiction. Le monde ne s'arrête jamais de se développer. Et ouais, juste pour ça, en plus, c'est magnifiquement illustré. Alors là, j'ai pas mal de bouquins qui sont très beaux hein, dans le design, mais surtout Marco Djankovic, c'est ça comment il s'appelle ? C'est ça, le créateur. Djankovic. Voilà, c'est un illustrateur incroyable. Et donc, j'ai acheté, évidemment, je n'en pouvais plus, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais les artbooks. Qui sont incroyables, que j'avais eu en promo en plus. Et donc ça, c'est trop bien pour présenter l'univers DGenesis aux gens. Alors, est-ce qu'on peut le présenter vite fait, DGenesis ? Bien sûr. C'est compliqué d'expliquer ce que c'est, DGenesis. En fait, DGenesis, pour moi, c'est un jeu de rôle... Alors, tu parlais de sous-texte... Pour rien voir. Ouais, peut-être, c'est possible, mais je mettrai les images au pire. Ah. On parlait de vraiment de l'ampleur et du poids de l'univers. Ça va te faire ban, mec, faudrait-tu Mais oui. Concrètement, je pense que DGenesis, c'est vraiment le jeu de rôle du trop, dans le bon sens du terme.
c'est typiquement le genre de jeu qui peut faire peur. Quand tu connais rien au jeu de rôle, ah oui, oui, si oui, tu oui. débules comme ça, ah non, on te met dans des Genesis, tu te noies direct. Pour moi, c'est vraiment pour les maîtres de jeu et joueurs confirmés. Ouais. Parce que en plus, ça aborde vachement de sujets très sombres qui demandent d'avoir du recul, je trouve, quand t'es un joueur, quand tu commences à parler de torture, de meurtre, c'est un truc où la mort est omniprésente. Des dilemmes moraux sont omniprésents. Voilà. C'est vraiment, donc c'est pas pour le premier venu qui aura un peu de mal à faire la part entre son personnage et lui. Voilà, c'est quand même assez sombre comme univers. Ouais, et puis accessoirement aussi, il y a un gros travail à faire pour le maître du jeu, pour amener les joueurs à l'univers justement, et aller très progressivement, ouais, de prendre le temps de découvrir les choses petit à petit. Si vous commencez le jeu et que le mec il vous met tout d'un coup, c'est mort. Enfin, le mec va se tourner, va rien comprendre. Donc il faut vraiment y aller progressivement. Et pour le coup, je trouve que En ton sang, l'ouvrage qu'on va aborder aujourd'hui, fait ça plutôt bien. Ouais. Parce qu'on est dans un huis clos, très clairement, et on est dans un contexte de jeu, au final, où on développe progressivement une seule ligne d'intrigue. Et je trouve que c'est une très bonne campagne pour découvrir l'univers. Ouais. Et donc évidemment, cette campagne, on en parlera aussi peut-être un petit peu, elle a plein de défauts dans le sens où elle est très très linéaire, il faut vraiment réussir à l'adapter. C'est difficile pour le maître du jeu de ne pas être absorbé par l'histoire, parce que l'histoire est tellement cool que t'as tellement envie que ça se passe comme dans le bouquin. Donc c'est très dur d'avoir cette ligne directrice, de dire non, faut que je résiste, non, ils font pas ça, ils font pas ci, on en parlera, il y a des scènes qu'on a ratées dans ton sang qui m'ont profondément attristé. mais du coup, alors, le Degenesis, c'est un univers post-apo, mais dans le sens où... Alors c'est du post-post-apo. C'est ça. C'est comme ça que l'apocalypse est terminé. Il y a eu l'apocalypse. C'était il y a 500 ans. C'est ça, mais c'est terminé. La civilisation humaine a survécu. Voilà, très clairement. Elle se développe, le commerce émerge de nouveau, tout reprend son cours. On joue dans une époque où l'humanité commence à renaître et à émerger un peu des ruines de l'ancienne civilisation. C'est voilà. ça. Et du coup, ce qui est très cool, c'est aussi que ça se passe en Europe. Et donc, tu redécouvres l'Europe sous une nouvelle version avec le climat qui a changé, avec certaines villes qui sont restées mais qui ont été complètement transformées. La deuxième campagne se passe à Toulon, par exemple. Ouais. Voilà. Et tout l'univers est aussi complètement transformé par tout les... Tout a été réécrit, repensé. On fonctionne sous forme de culte, donc des gros mouvements politiques, militaires, visionnaires qui ont redessiné le monde et sa direction. Et puis, surtout, ce qui est très très cool, l'un des trucs que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il y a une espèce de paradoxe de fou entre la technologie que tu peux trouver à travers tous les personnages. Ouais, ouais, ouais. Tu peux avoir des gens qui sont très primitifs, ouais, très basiques, ils ont des épées, une hache et c'est tout, qui peuvent cohabiter avec des mecs qui ont des mitrailleuses, des canons laser même, des trucs qui viennent du futur, sans que ce soit bizarre en fait. Ouais. C'est dans le code des choses. Les gens savent qu'il y a des artefacts, qu'il y a des armes qui viennent du temps d'avant, qu'il y a des choses qui sont dangereuses, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un géomètre qui se balade avec une hache et une fourrure de bélier et qu'il évolue dans cet univers qui passe une campagne. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est cool, ouais. Des fois, t'as des batailles où t'as des gens qui se battent avec des couteaux taillés dans de l'os face à des mecs qui ont des fusils laser. Voilà, et c'est une espèce de... Du coup, ça donne un truc très coloré, je trouve. Ouais, c'est ça, les défricheurs. Ouais, ça donne un truc très coloré, parce que dans un même groupe de joueurs, tu peux avoir, mais vraiment, des personnes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, quoi. Je suis amoureux de cet univers. Et puis, il est très difficile, parce qu'il y a tellement de choses, de codes, de direction artistique qui est incroyable, qui peut aussi être très difficile à exprimer, à décrire, à amener. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a probablement, à mon sens, les meilleures illustrations de tous les jeux de rôle confondus. Pour moi, c'est le style parfait. Ouais. On est sur cette touche à la fois un petit peu comique, donc on reste dans de la nuance un peu. Moi, c'est là où j'ai juste un peu de mal avec ces illustrations. Ouais, c'est vrai. Que je trouve que souvent les hommes et les femmes sont dessinés comme des dieux. C'est vrai. Toutes les femmes, elles sont... Alors, soit c'est des bombes atomiques ultra, dans la plastique absolument... Soit ils sont dégueux. Soit ils sont dégueux, mais il n'y a pas de juste milieu, effectivement. C'est vrai, il y a des personnages qui ont des gueules incroyables, et du coup, je préfère ces illustrations-là, voilà. Ouais. Alors que les mecs sont tous des énormes mâchoires carrées, ils sont tous bodybuildés, voilà. Bon, c'est un style, mais on ne peut pas lui enlever que ces illustrations, elles sont merveilleuses. Et il y en a énormément, c'est ça qui est fou. Ouais, c'est l'un des livres les plus illustrés. Pour te plonger dans l'univers, l'illustration. Tu passes un artbook à la table de vos joueurs. Moi, je l'ai acheté deux fois. J'en ai un que je mets à la table et un que je garde, personne touche. Et c'est vrai qu'on a ce truc-là de se dire, putain. Tu tournes les pages, t'es
plongée à l'intérieur de ce livre. Ouais, les deux artbooks sont vraiment merveilleux. Et puis voilà, juste les coffrets, son design et tout. Ouais. Et même, je tiens quand même à souligner aussi la qualité des ouvrages qui sont du coup magnifiquement illustrés, magnifiquement mis en page. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans le style d'écriture, c'est que c'est pas vraiment écrit comme des livres de règles, de jeux de rôle ou des livres de campagne. C'est écrit un peu comme des romans. On te décrit des scènes, voilà, des scènes à vivre, des choses comme ça. Enfin, même dans votre expérience de lecture, c'est absolument passionnant. Il y a plein d'éléments ultra cryptiques dans les bouquins. Tu comprends pas ce que tu lis. Et après, c'est en recoupant des informations, en discutant bien. Et c'est ça qui fait qu'on a une communauté des Genesis qui est très à cheval sur le fonctionnement, etc. Parce qu'on voit qu'il y a un travail artistique, en fait, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la mise en place de l'univers. On a envie, comme quand tu regardes des films ou que t'as un univers Star Wars, t'as envie d'avoir des fans ou des gens qui te disent non, c'est pas pensé comme ça, c'est pas écrit comme ça. Vous pouvez pas faire ça. Alors que dans le jeu de rôle, c'est souvent très propice à la réadaptation et toutes ces conneries. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a une communauté. Et moi aussi, j'essaie de toujours retranscrire une expérience la plus légitime possible à l'univers. Parce que c'est vraiment trop cool. Et comme tu disais juste avant, on a du coup toute une lecture qui est très sympathique. C'est très romancé. Narrativement, c'est trop cool à lire. Ouais. Mais ça apporte un petit point négatif aussi. C'est que des fois, pour retrouver l'information... Ah oui, ça, j'ai pas encore masterisé. Donc, T'es, en fait, on est... Il n'y a pas marqué noir sur blanc. Alors, c'est simple. Il s'est passé ça. Non, c'est des bribes de nouvelles, des bribes d'histoire, des morceaux. Et il y a des gens qui font des vidéos récapitulatives qui sont extrêmement cool. Mais des fois, il faut tout remettre dans l'ordre. Des fois, il faut retrouver ça. Des fois, tu passes un chapitre, t'entends parler d'un truc... Et puis tu revois un chapitre, 3-4 chapitres plus tard, on dort pas, tu dis « Attends, j'en ai entendu parler de ça, c'était quoi ?» Et vous retournez en arrière. Et donc, il y a une espèce de travail de recherche, ce qui fait que, et c'est aussi un jeu à mystère, un énorme jeu à mystère, et c'est aussi un jeu qui n'apporte pas les réponses. Et ça peut être des fois un peu frustrant, parce qu'on n'a pas tout totalement tout le temps. Des fois, c'est libre à l'interprétation, à la compréhension. Oui, mais quand même, au final, si t'as fait toutes les campagnes, je pense que t'as quand même beaucoup des réponses. Oui. Voilà. Si t'as toutes les campagnes. Mais de toute façon, je pense qu'il y a une volonté aussi de l'auteur de faire en sorte qu'il y a des choses qui ne soient pas révélées, entre guillemets. Parce que je pense que dans la genèse même de l'univers, personne ne le sait, en fait. Tu vois. Ouais. Et puis même dans les campagnes, donc là, on va vous parler de En ton sang. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans ces campagnes, c'est que tu vas vivre des grands événements qui vont transformer le monde de l'intérieur. Mais tu restes des personnages assez lambda, c'est pas toi qui vas sauver le monde, c'est tu vas être témoin de ça, tu vas peut-être pouvoir inflexer l'histoire dans une direction ou une autre, mais en tout cas tu seras pas l'acteur principal qui va sauver l'univers, voilà. Ça reste un jeu de rôle très réaliste dans lequel les combats, en deux tours c'est réglé, tout le monde est mort, on va vous en parler. Quand on crée des personnages, c'est ce que j'ai dit à Lucas, quand j'ai créé un personnage, j'avais vu une vidéo qui expliquait un peu les règles et les choses qu'on doit donner. Déjà dans ton personnage, il doit pas, on est très loin des archétypes de Donjons et Dragons, il faut qu'il soit un peu capable de tout faire, de se débrouiller tout seul dans sa confection. Il faut aussi que le joueur intègre qu'il n'est pas un héros et que voilà, il n'y a pas de plot armure là, c'est ça. Il n'est pas un héros, et effectivement dans ce jeu, le plus puissant de tous les guerriers du monde, un coup de fourche d'un vieux paysan dans le dos bien placé peut te buter, c'est comme ça, ou du moins il peut te flinguer ta campagne parce tu vas te pointer trop bas et tu vas souffrir toute la campagne, quoi. Donc il y a vraiment un truc qui se veut être très réaliste. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que les dilemmes moraux sont si intéressants. Voilà, c'est que tu vas pas au combat sans bien réfléchir à vraiment à peser le pour et le contre. J'ai un truc tout le temps, je dis, dans The Genesis, on se bat que pour deux raisons. La première, c'est qu'on est sûr de gagner. Et la seconde, c'est qu'on n'a pas le choix. Si on se bat pas, on meurt. Ouais, c'est mais ça du coup ça crée un côté un peu épée de Damoclès qui est très sympa, enfin c'est très réaliste, voilà. Mais du coup vous allez voir dans En ton sang, donc là on va vous parler dans cette vidéo de la première campagne, ce type de règles qu'on ne connaissait pas encore a créé énormément de frustration, et en même temps moi je l'associe à un souvenir de jeu absolument mémorable, voilà, incroyable, on serait toute la vie. Mais voilà, on l'a appris à la dure dans En ton sang, on a appris, je pense qu'on se lance du coup dans la narration de cette campagne. Alors je pense que en vrai on va voir, mais on va pas trop spoiler l'intrigue. C'est ça, on va, alors dans l'idée on va essayer de parler de gros moments, des moments phares. On va essayer d'éluder aussi ces passages là sans donner précisément de nom ou de thématiques précises, pour que au cas où, si vous avez envie de découvrir, bon c'est pas recommandé vraiment là, ceux qui sont dans cette vidéo à ce moment là qui savent qu'ils vont jouer à En ton sang en tant que joueur,
Ce n'est pas recommandé de lire cette histoire. Par contre, si vous avez déjà joué l'aventure, ça va vous faire écho à certaines choses. Si vous voulez masteriser, ça va vous faire écho à plein de choses. Et donc, c'est toujours le principe du JDR Story, hein, toujours comme ça. Hein. Voilà. Mais du coup, oui, je pense que même les grands moments qu'on a vécu là-dedans sont même extérieurs à l'intrigue principale. Ouais, donc, c'est voilà, vrai, c'est ça, vrai, je c'est pense vrai. Que vous pouvez. On parce verra que... si on spoil, on vous le dira. C'est ça, il y a beaucoup de passages qui ont été rajoutés parce que, qu'ont été amenés à. Que moi, j'avais étoffé un peu le scénario. Et c'est très très cool. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que je pense que ça a été un vrai... cette campagne était une vraie formation pour vous. Et dans le jeu de Massacre, ça s'est énormément ressenti. Que ah bah vous aviez fait en ton sang, il y a eu une espèce d'intégration des codes, ce qui fait que moi, jeu de Massacre, honnêtement, je crois que c'est l'une des meilleures campagnes. Enfin, je me rappelle quand j'avais fini jeu de Massacre, là. Ouais. Quand il y avait le truc où on se barrait et tout. En plus, il y avait un facteur supplémentaire, c'est que je quittais Paris en plus. Ouais. Il y avait une espèce de truc où la boucle est bouclée, quoi. Ouais. Moi, c'est un meilleur souvenir de. Putain, c'était cool. Bon, on y reviendra, jeu de Massacre. Ah oui, on y reviendra. Allez, en ton sang. En ton sang. Alors, en ton sang, qui étais-tu, mon cher? Ah, bah oui, je pense qu'en fait, c'est pour ça qu'on va pas trop spoiler, parce qu'on va quand même, on peut quand même bien parler de nos personnages, de notre équipe de personnages. Bon, bah, moi, je vais le dire en premier, parce que je suis là. Moi, je jouais Jamaïk Nene, voilà, qui avait un nom très spécial, qui était une ambassadrice néo-libyenne. Les néo-libyens, dans cet univers, ce sont les Africains extrêmement riches, puisque l'Afrique a prospéré après l'apocalypse. Totalement. Et c'est l'Afrique qui colonise la vieille Europe, et qui met plein de gens en esclavage et tout ça. La puissance et richesse. Voilà, et donc les néo-libyens sont des gens mais couverts d'or qui font faire des safaris en Europe. En Europe, voilà. Enfin ouais, c'est un peu l'arroseur arrosé, c'est très drôle. Oui. Dans l'histoire à l'échelle de l'humanité. Hein. Mais c'est un peu ça. Et puis ce qui est très marrant, c'est que moi je m'y attendais pas du tout à ce qu'ils partent sur cette directive et qu'ils se retrouvent à jouer en fait des Africains. Hein, dans ton sens, c'était pas. Néolibia, c'est totalement mon clan préféré. Je suis complètement fan, voilà. Et tu étais ambassadrice. Ambassadrice, je t'ai pété de thunes, et tellement pété de thunes, je dis ouais, je peux avoir une hyène en animal de compagnie, bien sûr. Et alors, ça, c'est un truc que je vous donne, s'il vous plaît, écoutez-moi, vous, maître du jeu de Genesis. Putain, mais ne vous bridez pas. Ils expliquaient dans un système de jeu que là, tout ce qui est échelle de culte et de machin, de rang, c'est à adapter pour que ça soit cohérent avec le personnage. Ouais. N'allez pas brider les jeux. Voilà, là, en quoi ça pouvait gêner qu'il soit une ambassadrice, donc qu'il ait beaucoup de points en plus, qu'il y a la création du personnage soit beaucoup plus puissant. Oui, parce qu'en fait, très clairement, là, dans la description des points, vas-y, je donne. Ouais. Pareil, quand il a joué à Jeu de Massacre, il avait un autre personnage, j'en parlerai plus tard, mais j'hésite pas à donner des points pour que ça soit cohérent. Si la personne, c'est une ambassadrice, elle est très charismatique, il fallait lui donner l'argent, le poids, tout ce qui va avec pour que ça soit cohérent avec l'histoire. J'avais une garde du corps, j'avais ma hyène, il y avait du coup Fred qui jouait un peu mon conseiller spirituel. Ouais, c'est ça, un Anubien. Qui lui fait partie du culte des Anubiens. Ouais. Voilà, les Anubiens, c'est un peu les mystiques de l'Afrique qui ont des pouvoirs étranges. C'est très compliqué, on pourrait parler des heures de chaque culte. Hein, voilà. Ouais, c'est clair. On va essayer de se restreindre et d'aller un peu à l'essentiel. Voilà. Et donc, effectivement, vous étiez ce donc il y avait aussi ce PNJ qui était ta garde du corps, mais qui était un peu particulière, parce qu'elle avait été, entre guillemets, t'avais été missionnée de t'en occuper. Ouais, parce qu'en fait, elle a été grosso modo un peu punie. En fait, c'était une princesse africaine. Ouais. Qui faisait un peu de l'ombre à son père et qui avait été envoyé dans cette mission de diplomatie à mes côtés en secret. Et vous allez voir que ça a son importance pour la suite. Totalement. Donc en fait, il y avait une espèce de responsabilité cachée, mis à part qu'elle c'était vraiment une très très puissante combattante. Ouais. Ce qui faisait que bon, elle avait quand même une certaine pas trop peur qu'elle lui arrive quelque chose parce qu'elle c'était une très grande combattante. Elle était forte. Et donc dans l'idée, c'était on avait ce noyau africain. Et on avait d'autres joueurs qui voulaient jouer autre chose. Donc, il fallait que toujours une session 0 dans des Genesis, je le répéterai infiniment, toujours une session 0. Donc, on s'était vu dans un bar pour pouvoir caler tout ce qu'il fallait. Et puis ensuite, après, on s'envoyait des messages en privé pour que moi, je relayais tous les traits de tout le monde. Et on avait d'un autre côté un chroniqueur. Alors, Alex, il jouait à un chroniqueur qui s'appelle Admin. Yes. Les chroniqueurs, comment vous décrire ça? Bah, c'est mon culte préféré déjà. C'est une bonne description. Ce sont des gens qui œuvrent dans le monde entier, qui ne se battent pas, qui ne combattent pas, qui ont des masques derrière lesquels ils cachent leur identité et qui sont des gens obsédés par la technologie et obsédés par l'idée de retrouver ce qu'ils appellent le flux. Ouais. Et même tous les anciens artefacts qui ont été perdus. Donc,
C'est vraiment le clan le plus technologique. Le flou, c'est l'internet du futur qui est entre guillemets bloqué à l'état de stase un peu partout. Ouais. Et du coup, ils ont pour, enfin, de manière globale, enfin, on va dire un chroniqueur lambda, un beatle, un mec un peu en neuf, et il a pour mission de réparer les antennes, essayer de récupérer des données du flux et de mettre en place. Du coup, cette ressource à disposition de son culte, parce que les chroniqueurs sont persuadés qu'avec le flux, ils pourraient tout régler, sauver le monde, voilà. Tous les soucis. Et puis, accessoirement, évidemment, c'est un gros culte politique / espionnage. Gros culte à secret, exactement. Ouais, vraiment, des révélations sur eux, c'était vraiment tout le temps, tout de bout en bout. Et c'est vrai que c'est un des cultes majeurs de l'intrigue, que ce soit le protectorat ou autre. Et donc, évidemment, Alex était très très chaud pour jouer un chroniqueur. Et il a joué donc admin. Voilà. Et notre équipe se termine avec Sofiane qui jouait un juge. Oui. Je sais plus comment il s'appelait son juge. Mais les juges, c'est un clan que j'ai instantanément détesté. Ah, je sais plus son nom, putain. J'ai haï les juges. Alors, les juges, ce sont des gens qui, pour ramener la loi dans certaines régions qui étaient devenues un peu sauvages et aux mains de barbares, se sont armés d'énormes fusils, d'énormes marteaux. Ils ont mis tous des chapeaux, des grosses lunettes noires, et à l'aide d'un énorme code de loi, se sont mis à défourailler des gens pour ramener la paix. Donc voilà, les juges, c'est un peu c'est un peu les punisseurs / Judge Dredd de cet univers. Voilà. Et ils ont créé le protectorat, qui est un état à frontière et le seul état réel, on va dire. Un peu stable, quoi. C'est ça, le seul état européen qui subsiste aujourd'hui, le protectorat, avec sa capitale justicienne, qui est la plus grosse mégalopole européenne. Et donc, ils ont un peu ce statut, pour l'instant, ça va pour eux, ils ont un peu ce statut de leader européen, parce qu'ils contrôlent les lois, les routes commerciales, etc., etc. Et d'où l'intrigue de ce groupe-là. Moi qui vis, le chef de notre cher Jamani avait pour ambition de contourner les Alpes, de contourner la Suisse, parce que la Suisse est contrôlée par les Helvétiques avec un péage. Et du coup, il avait pour grosse ambition, sur la fin de sa vie, un projet sur 20 ans, il voulait construire la route de l'Éden, la route du paradis, la route, nouvelle route qui pourrait contourner les Helvétiques, faire une deuxième route sûre, afin de s'assurer qu'il n'y ait plus de taxes à ce niveau-là, et qu'ils puissent continuer à faire traverser des épices, des objets, de l'argent, des ressources entre l'Europe et l'Afrique. Le commerce. Sans payer. Et donc toi, ta mission initiale, c'était, écoute, tu vas prendre cette route, qui n'est pas du tout sûre, d'accord, mais bon, tu seras escorté et compagnie, et c'est la mission prioritaire, je veux que tu ailles à différentes villes, Lucatoré, enfin toutes ces villes qui sont sur le chemin là, pour négocier, voir ce qui est faisable, envisageable, et bâtir, mais poser les premières pierres de ce projet à long terme. Ouais. Et donc on arrive à Lucatoré, donc c'est là que va se passer le principal de l'intrigue, qui est une ville anabaptiste. C'est encore un culte dans l'univers de Dégénésis, les anabaptistes, qui est un culte un peu pieux, religieux, très ascète. Mais ils se battent avec des énormes lance-flammes et des énormes épées à deux mains, voilà. Et là, c'est la traduction parfaite pour dire qu'effectivement, c'est les combats, c'est un culte qui combat ce qu'on appelle le démiurge. Et le démiurge, c'est le petit Dégénésis. L'homo Dégénésis, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans la présentation de l'univers. Parce qu'il y a tellement de choses à voir. Mais oui, c'est ça. Ça arrive toujours un peu dans tous les sens. Donc, on n'a pas parlé de l'homo Dégénésis. Alors, parlons de l'homo Dégénésis, comme ça, ce sera très clair pour le reste de l'univers. Le démiurge, c'est comme ça que les appellent les anabaptistes, est l'homo Dégénésis, qui est l'évolution de l'homo sapiens, qui est une des humains qui évolue en symbiose avec l'écosystème, la terre, l'environnement, suite à une chute de météorite. La fameuse apocalypse. Qui est la fameuse apocalypse qui a sombré l'humanité, qui a fait sombrer l'humanité dans l'âge de pierre, si on peut dire ça comme ça. Ah, et donc les météorites ont ramené ce qui s'appelle la sepsis, c'est ça ? Ouais, c'est ça, des germes qui ont tout simplement pris petit à petit contrôle de la flore et la faune locale, y compris les humains. Voilà, qui transforment, il y a des bébés qui naissent, qui se deviennent des homodégénésis, et ces homodégénésis sont clairement des êtres humains avec des super pouvoirs. Ouais. Absolument monstrueux, qui sont complètement invincibles. Et donc, le gros dilemme de cet univers de Genesis, c'est de dire notre civilisation commence à peine à sortir le nez des cendres, qu'il y a déjà une nouvelle espèce.
qui est largement assez puissante pour tous nous remplacer, quoi. Voilà. Totalement. Et puis accessoirement, bah, la Franca est totalement coulée sous les Degenesis. L'ancienne France. L'ancienne France. Ouais. La Purgarée qui est l'Italie et une grosse partie aussi à l'est qui est elle aussi dans un état déplorable à cause de plusieurs conflits, etc. Et nos chers anabaptistes, eux, combattent aux côtés des Spitaliers cette menace. Et donc, c'est un peu leur fer de lance dans cet univers de manière globale. Et Luca Toré est, au final, loin de tout ça. C'est vrai. Parce que c'est une vraie ville de paix. Oui. On est en bordel helvétique. Ah, il y a de la viande. C'est vrai, là, j'ai oublié ça. Il y a des gens, des foyers. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Qui pourrait mal tourner? Il y a des lois qui empêchent les gens de dormir dans la rue. Il y a des jardins. Mais à quoi bon jouer quand tout va si bien dans une telle ville? Franchement, pourquoi faire? Et donc, c'est dans ce contexte-là, avec du coup Admin, qui est le représentant des chroniqueurs. Alors, les chroniqueurs détestent les non-libyens. Donc, il a pour mission. En fait, c'était suite à une espèce d'escroquerie. C'était un peu gris, en vrai. On l'a joué, parce qu'évidemment, il fallait qu'il puisse intégrer l'histoire. Donc, lui, il était là pour, entre guillemets, espionner / accompagner le groupe en disant « Oh, vous allez à Luca Toré, moi aussi, ça tombe bien, je vous ai sauvé, vous êtes fait attaquer il y a 2 minutes. » Donc il y avait un peu ce speech-là, parce que notre scénario commençait par un petit combat. Et on a, à l'inverse, par contre, notre cher Sofiane, qui était le juge de cette aventure, qui, lui, avait été contacté par Wakili, par le néo-libyen, pour avoir l'appui du protectorat, et pour faire les négociations avec le protectorat, dans le sens où, dans tous les cas, cette route, si elle est créée, ça profitera aussi bien au protectorat que aux autres. Franchement, il y a tellement de termes compliqués dans Degenesis, je sais pas si les gens qui n'ont jamais joué arrivent à suivre un petit peu par rapport à ce qu'on raconte. Ouais, protectorat vrai. Et trucs. Bah, le protectorat, on l'a dit, c'est le pays. Non, mais c'est bien. Franchement, je m'en fais pas du tout. C'est ça qui est cool, mec, c'est que c'est hyper riche, quoi. Je pense que si des gens ne connaissent pas Degenesis et qu'ils nous entendent parler de tout ça avec tellement de passion, ils vont se dire putain, c'est quoi ce jeu? J'ai envie de savoir ce que c'est. Et d'ailleurs, il y a un financement participatif qui va arriver en 2024. S'il est déjà arrivé, allez-y, n'hésitez pas. Oui. Et puis franchement, c'est que du bonheur. Il y a un truc très cool, j'y pense, par rapport aux Homo Degenesis. C'est que chaque comète qui s'est écrasée a créé son propre type de mode de Genesis. Donc c'est chaque fois des pouvoirs complètement différents qui permettent vraiment, et même au niveau du gameplay, de la narration, de l'histoire, de complètement transformer l'histoire, c'est trop bien. Je crois que typiquement, ça, c'est le genre d'info qui est trop. T'es dire qu'il y a plein de Genesis. Pourquoi? Parce que s'il connaît pas, effectivement, là, il se dit quoi? Tiens, le mot Degenesis, et maintenant il y en a plein. Bah non, mais genre tu dis juste qu'il y en a des différents, quoi. Oui, des points différents, ça qui est trop. Après, je pense que la majorité des gens qui sont ici, on sait pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissiez Degenesis avant de regarder cette vidéo. Et je pense que la majorité des gens qui nous regardent connaissent déjà un petit peu l'univers. C'est vrai. Peut-être j'ai l'espoir secret d'en convaincre quelques-uns de vous lancer là-dedans. Ah bah allez-y, parce que c'est que du bonheur. Par contre, soyez prêts à consacrer pas mal d'heures de... Ah, oui. Je mettrai des pages Instagram. Oh, des pages Instagram. Des chaînes YouTube qui permettent de bien comprendre le plot twist là en description. Ouais. Comme ça, vous aurez plein de choses. Et du coup, on va pouvoir se lancer dans la narration de notre récit, qu'on pourrait résumer en une suite de décisions catastrophiques. Concrètement, pour éluder et aller vite. Ils arrivent à Luca Toré, ils découvrent que. Il y a une enquête policière, parce qu'il y a des soucis, il y a ça à droite, etc. etc. Et il faut savoir que la personne qui est morte est une personne importante, et on se tape des jours et des jours de deuil, où littéralement, à part du roleplay, il n'y a rien à faire. Ouais. En enquêtant toute la journée, tu récupères. Des miettes, mais des miettes d'intrigues, d'histoires, vraiment de la miette, quoi. Ouais. On te laisse vraiment dans ce truc-là. Franchement, facilement, le premier jour, il se passe. Mais du coup, ce qui a pour effet aussi de créer. Alors, je pense que. Moi, quand je l'ai lu, je trouve que tu as été très très dur sur le fait que vraiment les gens restaient chez eux et ne disaient rien. Je pense que quand même, moi, je laisserais de la vie dans le... Après, moi, j'avais ce truc de... j'avais envie
de créer un côté, un espèce de côté oppressant. Ah mais c'est méga oppressant. Ouais. Je voulais forcer des décisions. Ouais. Tu vois, etc. Mais du coup, effectivement, ça va créer de la frustration. Et nous, on voulait quelque part créer du contenu. On n'arrivait pas à rester comme ça. Et donc, on arrive à un moment où on est tous confinés dans une maison un petit peu juste à l'extérieur de la ville. Et Cyril nous dit, bon bah là, vous avez fait le tour. Est-ce que on laisse un jour passer et on fait la suite? Et Fred dit non, moi en dernier truc, en fait je l'avais bien, je voudrais quand même aller voir ce qui se passe là-bas dans cet endroit là. Ouais, j'aimerais aller voir, il a une zone en tête, il avait fait sa petite enquête, il a dit non, moi j'aimerais qu'on. Enfin, c'est pas d'ellipse, j'aimerais qu'on aille là-bas. À savoir qu'à ce moment précis, on avait les Anubiens, enfin l'Anubien, enfin toi, les Néolibiens et tout le monde qui était dans cette baraque, dont tous les intérêts concordaient avec le fait de potentiellement trouver qui était tueur, parce que ça pouvait apporter des vrais bénéfices d'un point de vue politique. Mm-hmm. Et on avait aussi un arrivage de juges. Oh putain, oui. Qui avait déboulé, qui est arrivé au troisième jour, sous la pluie et tout, qui étaient du coup, eux, des personnages qui avaient été emmenés directement sur place pour pouvoir apporter le soutien du protectorat aux anabaptistes qui étaient aux élus. Mais ce que Cyril ne vous dit pas, c'est que ces quatre juges-là qui arrivent dans cette petite maison où nous sommes tous cloisonnés sont les pires fils de flûte de toute la terre. Les pires ordures. Vraiment, mais chaque interaction qu'on avait avec eux me donnait envie de les trucider tellement c'était des connards. Il y avait un qui était abusé. Je suis d'accord. C'était quand même tous des connards très sur deux. Voilà. Ouais, il y en a un qui était vraiment foyer. C'est exactement. Et en fait, dans l'idée, alors ce personnage-là, c'est des personnages qui ne font pas partie de l'ouvrage. Oui, c'est pour ça qu'on peut se ramener totalement. Et moi, c'était pour ajouter du contenu durant cette période de deuil, créer du conflit. Et moi, ce que j'adore, dans The Genesis, c'est les dilemmes moraux. C'est de mettre les joueurs dans des positions où on se dit, ok, nécessairement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là. Oui. Juste, il se passe quelque chose. Est-ce que j'agis? Est-ce que j'agis pas? Est-ce que je fais quelque chose? Moi, dans cet univers-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Et donc, dans ce groupe de juges, donc on avait très clairement des gens qui étaient dangereux. Pas plus dangereux que vous, mais dangereux dans le sens où c'est des gars armés, ils savent ce qu'ils font, etc. Et parmi eux, il y a... Donc, ils sont forcément soudés par le culte, par leur affiliation de manière générale, même si... Ils n'avaient pas trop l'air de s'apprécier un max entre eux déjà de base. Mais parmi eux, il y avait un personnage qui s'appelait Ange, qui était inspiré de la première partie dans ton sang que j'avais fait. Ouais, d'intérêt. Voilà. Et cet ange était très clairement un sociopathe. Enfin, oui. Un détraqué. Pour vous dire à quel point la situation était montée et tendue avec ce groupe, Ange passait son temps à vouloir... harceler carrément. Oui, il y a du harcèlement. Il y a une petite gamine qui s'occupait de nous, qui avait quoi, 15 ans, 16 ans, je sais plus. Ouais, elle avoir 16 ans. Enfin, c'était elle qui. Elle était dans la maison des émissaires. Oui. Donc ils avaient le droit à nourriture, nourriture gratuite, etc. Et ce petit con d'ange, que du coup j'incarnais et qu'ils étaient témoins de ces scènes-là, faisait que d'harceler la gamine. Voilà. Tout le temps. Et lui, il avait vraiment présenté la gamine comme. Vraiment, adorable. Dans ce monde horrible, c'est la seule personne qui est mimi et gentille. Parce que ça faisait 3 jours qu'ils étaient là. Oui. Donc ça fait 3 jours qu'ils avaient le temps de s'attacher. Qu'ils avaient le temps de s'attacher. Elle était si bien tout. À côté, Ange, mais horrible, crapule. Mais je te jure. Mais, alors, ça a commencé doucement avec des petites réflexions à la con, des blagues à la con du style tu peux me préparer un bain et tout. Allez, viens, tu peux me frotter le dos, tout ça. Et puis, ça a venu progressivement. Et puis, alors au début, je me suis dit on s'en fout, quoi. Et puis, à l'usure. Et donc arrive cette fameuse soirée. Allons-y, maintenant vous connaissez le contexte. J'ai mis la poudre. Voilà. J'ai mis la vidéo. Il y a aussi un dernier élément très important. Sofiane, qui joue le juge, s'engueule avec un des représentants. D'abord, il est sorti. Enfin, il est d'abord sorti dehors. Et c'est après que. C'est pendant qu'il est sorti dehors. Donc, du coup, la nuit bien. Fred décide de partir dans un endroit. Madou décide de partir. Et je lui laisse. En fait, c'est con, mais là c'est un peu une erreur de ma part. J'étais très attaché à ma hyène qui s'appelait Nigoué. Et je lui dis, pour pas qu'il soit en danger, je lui laisse ma hyène. Mais c'était plus pour créer un peu du roleplay, plus que vraiment par rapport à mon personnage. Je pense qu'elle l'aurait pas laissé. Voilà. Donc, je lui confie ma hyène et il part à un endroit. C'est un lieu, voilà, je vais pas vous dire, ça va un peu spoiler. Totalement. Et faut savoir que si je ne m'abuse, un peu avant de partir, on leur avait interdit de sortir.
coup, à ce moment-là, on a... grosso modo, pour aller à l'essentiel, on va dire que Madou tombe par le plus grand des hasards sur une sorte de mini-boss, voilà. Malgré lui, hein, voilà. Et il y a une course-poursuite qui se lance, il s'enfuit dans la forêt, voilà. Il fait des petites cabrioles, se fait poursuivre par des choses dont je tairai le nom. Et il se trouve que dans le feu de l'action, Mayenne se fait buter, voilà. Mayenne meurt et donc il revient dans la maison des émissaires. Moi je pète un câble. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que moi je veux absolument sortir de la maison pour aller récupérer Mayenne. Je dis pas aux gens pourquoi, mais en fait je voulais la récupérer et je voulais tailler sa peau pour en faire un manteau. Donc un truc un peu rituel, sacré, etc. Voilà, parce que c'est quand même accompagné. Et au même moment, on a donc le souci, c'est que la sécurité de la ville, enfin, ça crée du bordel un peu tout ça, se durcifie. Et on a du coup les anabaptistes, les ascètes, enfin, ouais, les orgiastiques, pardon, qui déboulent et qui très clairement disent écoutez, c'est simple, vous sortez plus. Ouais. Vous savez pas, c'est simple, on est en deuil en fait, vous faites chier. Donc soit vous vous cassez, soit je veux pas vous voir sortir de là. Voilà. Et Sofiane, le juge qui n'a pas la langue dans sa poche, lui dit me va te faire enculer. Quelque chose un peu plus poliment, mais le ton est monté très haut. Voilà. Et du coup, il a dit bah mec, en tôle, tu nous parles pas comme ça, mec, je suis la fureur. Enfin, le fureur. Je crois que c'est la fureur ou le fureur. C'est des fureurs. C'est le fureur. Mais c'est une fureur, pas le fureur, le chef nazi. La fureur comme The Wrath en anglais. Voilà. Attends, Batista. Non, Batista. Comment il s'appelle? Carmino. Non, Carmino Fureur, c'est le. Oui, Ah putain, j'ai plus son nom. C'est... Et du coup, Sofiane. Donc, en fait, Sofiane, qui était le juge, qui pouvait quelque part faire un peu tampon entre le groupe de juges avec qui on n'arrêtait pas de s'engueuler et notre groupe à nous, Sofiane finit en prison. Voilà. Et donc, je pars faire mon petit rituel où je découpe la peau de bête de Mayenne, je la ramène, donc je suis plein de sang et tout, et je suis vénère. Déjà, je suis vénère contre Madou, parce que je le considère responsable de la mort de Mayenne Nigwe. Et on monte dans les champs, mais ultra énervé, on s'est engueulé avec les juges, tout le monde s'est engueulé. Et là, arrive... Alors, attends, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que... Donc là, Jamani, elle est en colère de fou. Oui, oui. Il y a un homme... Il y a un cortège néolibien qui avait ramené un coffre rempli d'or. 1000 pièces d'or pour pouvoir soutenir le groupe et obtenir les faveurs de Neva, etc., etc. Donc l'émissaire de fer, celle qui gérait la ville. Et donc il y a un de ses gardes qui est assis sur un coffre dans la salle. Il y a Madou qui vient de se faire engueuler, qui reste en bas au niveau de l'auberge comme un moins que rien. Toi, tu remontes dans ta chambre avec la princesse qui fait garde du corps. Du corps. Ouais. Et là, en fait, donc, tension palpable, le juge s'est fait embarquer, le chroniqueur est là, mais voilà. Je trouve que c'est le meilleur moment de continuer à casser les couilles à la jeune femme. Et puis là, il y va vraiment franco en mode ah, vas-y, viens. En fait, Josué, il est devant nous. Et en fait, je la fais venir dans ma chambre parce qu'il la faisait chier. Et lui, il est devant nous et il nous dit... Ah oui, cette phrase. Et donc, en gros, là, c'était trop. En plus, t'étais vénère, c'était une journée de trop. Oh, donc, en fait, ça t'impose, il dit, en fait, t'arrêtes de lui casser les couilles. Voilà. C'est simple, sinon on va te faire la peau. Parce que clairement, là, il allait... En plus, là, c'était vraiment une tentative. Tu sentais qu'il allait, là, il allait la violer, quoi. Truc horrible. Et du coup, ce petit bâtard vient vers nous, il dit, mais il y aura bien un moment où vous serez pas là. Et qu'est-ce que je dis à la princesse? Je lui dis, comment elle s'appelait Ah, putain, j'ai plus son nom. C'est à 2 ans déjà, mec. Ouais, j'avoue. Ouais, j'ai plus son nom. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'au moment où il dit cette phrase, il dit « Ah bah, vous serez pas toujours là. » Ouais. Là, c'est fini, là. Et moi, je dis à ma pote, je dis son nom, je dis « Tue-le !» Et on sent nos dagues et on tous le deux défend. Tcha, tcha, tcha. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a un espèce de... Donc, ils font les jets, ils l'ouvrent en deux. Ah, il m'a planté, quand même. Ah oui, ouais, mais c'est genre, il se prend un coup de couteau, puis il en met un, mais c'est fini pour lui, quoi. Ouais, il meurt, meurt sur le coup. Et là, parce qu'il faut quand même vous dire, parce que ça peut paraître un peu excessif, mais il faut quand même se dire que les néo-libyens aussi, dans mon état d'esprit et dans ce qu'ils sont dans le jeu, ils se prennent pas pour de la merde, quoi. Pour eux, les petits gueux là, qui errent sur leur terre, c'est de la merde. Genre, tu leur dois respect et déférence, c'est eux qui ont du pognon, c'est eux qui décident de ce qui se passe, quoi. Et puis elle a perdu sa hyène, ça fait 4 jours qu'elle est là. Ouais, donc là c'était ciao. Là, c'était la petite goutte de trop, et puis c'est un gros porc. Oh, c'est une vraie merde. Enfin, c'est une vraie merde. Ça a été un soulagement de le buter. Et donc, en bas, c'est la panique.
Les juges, ils entendent qu'il y a du bordel, ils chopent Madou, ils le foutent par terre. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que. Donc, on fait toute la scène du haut. Ouais. Et je fais rien avec Frédéric qui est en bas. On laisse les choses s'adieu. Ouais. Il y a aussi le chroniqueur qui est en haut avec nous. Qui est avec nous, qui est avec nous. Ouais. Alex, qui joue admin, qui est avec nous. Qui, il se passe rien du tout. Donc là, on laisse comme ça les choses statu quo, comme ça, on touche rien. On revient en bas. Et je fais toute la description de ce qui se passe, mais d'en haut. Donc les bruits de sol sur le parquet, les. Les coups de couteau, les cris. Le bruit de quelqu'un qui meurt. Je rappelle que tout ça n'est pas du tout dans la campagne au départ. Non. Madou est en bas. Avec les trois autres juges. Il y a une espèce de frisson de peur qui descend pas. Ils se tournent tous sur Madou. Et. Attrape-le! Mais dans un espèce de sentiment de panique, il y a un truc qui va pas là. Et il l'attrape comme élément de protection. Et il y a une scène très très cool où Jamani descend. D'abord je suis en haut de l'escalier. Ah oui. Et je jette la tête d'ange dans l'escalier qui fait roule jusqu'au pied de Nagesto, qui était un peu le leader de ce groupe de juges. Et là, vous avez tous regardé en mode. Oh! Il est fou! Et donc là, il y a un truc où. Moi je joue Nagesto et en fait Nagesto il a un peu peur. Et il dit, il essaie de communiquer avec toi. Il voit que t'es dans une rage terrible. Oui, mais on était quand même. Enfin, en fait, ils foutent Madou par terre. Ouais, et ils disent, va le buter. Ouais, calme. Et ils disent, un mort pour un mort. Ouais, ouais. Ils commencent à dire, calme-toi, un mort pour un mort et tout. En gros, on va buter ton pote et on en reste là, quoi. Ouais. Et Jamani n'est pas. Après, on était en supériorité numérique. Mais moi, en fait, je suis en mode, non, c'est mort, les gars. Maintenant, vous tuez plus personne, vous nous le rendez et c'est ciao. En vrai, j'aurais peut-être pas autant insisté. J'avais un peu peur que du coup, ça nique la session de Fred si son personnage mourait. Ouais. Ça, j'ai un peu insisté en vrai parce que j'avais vraiment les boules contre lui avec ma hyène dans mon personnage et j'aurais dû dire, non, vas-y, je m'en fous. Mais j'insiste, et puis ils me disent, mais ça va partir en couille, on va tous s'entretuer. Je vous rappelle que le seul juge qui pouvait calmer la chose n'était pas là, il était en prison. Et puis surtout, moi dans ma tête, de comment est-ce que je me profilais le truc, c'était. Il y avait vraiment ce truc-là de. Non mais la meuf vient de me balancer une tête. Si on laisse en plus son pote repartir, il sera encore un de plus. Oui. Enfin, on va crever quoi. Non, puis, on sait pas, il y a ce truc d'éléments. Ils avaient peur, vraiment, ils avaient peur. Et puis les juges, enfin, je trouve que tu l'as aussi bien joué, c'est quand même des gens qui sont très radicaux dans leurs idées. Ouais. C'est eux qui font la loi, qui l'administrent, qui l'exécutent. Et donc, c'est des gens très très radicalisés quoi. Et donc arrive le moment. En fait, la dernière carte que j'ai jouée, c'est de dire alors attendez les gars, si on s'entretue. Elle, c'est une princesse, et si vous la tuez, il y a son père qui va arriver avec des auto-bastions, c'est des espèces de normes forteresses. Ils vont raser la ville, ils vont tous vous buter. Voilà. Et je pense que là, t'aurais peut-être dû me faire faire un jet hardcore. C'est vrai. Mais en fait, je pense que sur l'instant T, je pense que dans l'instant T présent, Dagesto qui gère un truc, je croyais qu'il était plutôt dans un truc de. Mais en fait, tu vois, il devait se dire, attends, j'ai une action, enfin, tu vois. Pour moi, c'est des juges, ça aurait été n'importe quel autre culte, là, c'était des juges, c'était des juges vénères. Mais effectivement, dans l'instant T, là, ils ont ce truc de, c'est peut-être une méthode de me faire céder, tu vois, je pense qu'il y a la peur et la graine qui prend dessus. Il y a une tension autour de la table, et donc, tout ça qui est très roleplay, ça qui était fou, c'est que tout le monde était dans ce personnage, et là, ça part en sucette. Ça part en baston quoi, et donc c'est là quelque part qu'on découvre la létalité de Degenesis. Ouais, c'est vrai que les néo-libyens ils se battent, enfin ils ont des espèces d'énormes fusils sniper, tu tires une fois ça couche quelqu'un, voilà. Mais moi je suis une diplomate, je suis pas une grande guerrière, et malheureusement, tous ces gens là sont beaucoup plus forts que moi. Et en vrai, tu vois, si j'étais pas allé négocier. Étant tête de pont en plus. Voilà, mais si j'étais pas allé négocier, c'est pour ça que c'était pas très RP. Je serais resté en l'escalier, j'aurais commencé à tirer, tu vois. Il y a une nana, elle sort son. Comment ça s'appelle ces fusils-là ? C'est deux, il y en a deux, ils sortent leurs mousquets. C'est ça, c'est des mousquets. Ouais. Il y en a deux, ils sortent des mousquets. La première, elle tire, balle dans la tête, terminé, c'est ciao, morte. Un coup. Voilà, c'est de Genesis, voilà. Et puis, il faut savoir qu'elle avait... en fait, Jamani n'était pas une guerrière, quoi. Elle avait pas beaucoup de points de santé, elle avait pas J'aurais joué pas en première, mais... Non, c'est sûr. J'étais dans un état de rage et de frustration. Il était quelle heure, 23h? Ah, je sais plus. Ouais, il était tard. Oui, c'était heures, ça, quoi. C'était la fin de son rire, ouais. Dans la tête. Mec, j'étais, mais... La princesse se bat, etc. Madou, coup de marteau. Coup de marteau, terminé. Madou explosé au sol, il meurt. Et là où j'avais encore la rage, c'est qu'il reste, il nous reste un guerrier et cette fameuse princesse qui, là. Qui eux pour le coup sont des vrais guerriers. Voilà. Le mousquet, tu tires une fois, c'est fini.
Sauf donc, que du coup, donc du coup, il y a il faut les juges vont forcément prendre très très cher. Enfin du moins il y en a au moins qui va y passer. Ouais. Et admin, là, admin le chroniqueur, ce fils de félon. Il a son petit bâton électrique et il les trahit et il va taser derrière la princesse. Il nous trahit. Après, c'est très bien dans son rôle et dans son personnage, dans son culte. Voilà, il prend quelque part, il ne prend pas parti. Et du coup, il va taser, je crois, le garde du corps là, qui surveillait l'argent, se fait complètement tuer. Et il n'y a que la princesse qui... Ouais, et puis là, enfin, du coup, là, c'est... Ouais, elle se retourne et tout. Puis, enfin, bordel. Et donc, aucun de ces juges n'est mort. Et donc, je suis morte, ma hyène est morte, ma douée est morte, et mon garde du corps est mort dans un combat. Mais... Oh, franchement, je bouillonnais dans mon lit le soir. En même temps, c'est un souvenir incroyable parce que c'est que du roleplay qui arrive à ça. Ouais, ouais. C'était une situation vraiment ultra tendue. Angers est mort quand même, voilà. Non, mais bien sûr. Et puis, du coup, ce qui est cool, c'est qu'il y a une sacrée happy ending pour cette nana-là. Ouais. Qui, au final, elle, dans son auberge, finira bien pour elle. C'est vrai. Mais voilà, c'est pour vous dire que dans le jeu de rôle, il faut accepter aussi que le but, c'est quand même de vivre des émotions. Ça va pas forcément être des émotions agréables, mais ça, vraiment, ce truc-là, je vous jure que c'est un souvenir qui me restera pour le restant de mes jours, parce que j'étais tellement attaché à mon personnage, je l'avais tellement kiffé quand je l'avais créé. Là, t'auras montré l'image avec sa grande cape. On avait, sa et cape puis, en plus, ce qui est, alors, ce qui est fou, on avait merdé et tout sur la récupération des figurines, on n'avait pas eu les figurines pour ouais. Pour le jeu, je l'ai là, un peu chaud. Ouais, tu l'as là. J'ai pas de taf. Et du coup, on s'était vraiment investi dans la création de personnage. Ouais. Et même moi, je pouvais pas prédire que ça allait filer aussi vite. Parce qu'en vrai, en fait, ce qui m'a un peu surpris, même moi, je pense que dans la provocation que j'ai fait avec Ange vis-à-vis d'eux, je m'attendais pas, en fait, honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça soit une décision aussi frontale. Oui. Je me suis dit. J'en ai été conscient qu'à un moment ou un autre, ils allaient se le faire. Mais je pensais qu'ils allaient être plus subtils. Ça allait péter la gueule, qu'ils quoi. Allaient trouver. Non, même pas. Peut-être que tu es, mais que ça allait être réfléchi, subtil au bon c'est moment. Ça, c'est pour ça que je sais pas trop. Une suite de décision catastrophique. Mais là, ça a été tellement. Chac, chac, chac. Il est mort, ça descend. Et puis, là, tu vois, la tête dans les escaliers, mais les juges qui sont venus, c'était un espèce de moment fou, quoi. Je suis très fier de moi. Même moi, j'étais dans un espèce d'état d'adrénaline de malade. Et donc, en fait, c'est simple, deuxième jour de séjour, ouais. Faut recommencer tous les personnes, sauf le chroniqueur. Oui, parce que le juge est en prison et donc Sofiane va changer de perso. Voilà, et Sofiane décide de changer de perso. Et là, moi, j'ai envie d'aborder un truc très intéressant, c'est que donc là, c'est toujours très particulier de changer de personnage en cours de campagne comme ça, ouais. Sur un moment aussi intense. Ça a été plus ou moins bien fait, parce que bon, les personnages se sont plus ou moins bien acclimatés à l'histoire assez rapidement. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que dans ton sang, le plus gros et le meilleur souvenir que j'ai de la campagne fait pas partie de la campagne. C'est vrai, bah c'est ça, voilà, c'est ça, ces trucs-là. C'est-à-dire que tout ça, ça s'est passé avant que la campagne commence réellement. Parce que pour information, on peut commencer en ton sang, après les jours de deuil, ouais. C'est-à-dire au moment où c'est fini, le deuil est fait, les gens peuvent déjà aller au cimetière, il a déjà été enterré. C'est-à-dire que là, on avait terminé la campagne de Jamani. Oui. Alors même que la campagne en ton sang commence. La vraie intrigue. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça m'a vraiment marqué. Et puis ouais, c'était assez fou et j'ai ça m'a je m'en souviendrai tout le monde aussi. Hein. C'était un moment assez. Ouais. Je suis content parce qu'après dans la campagne d'après, je trouve qu'on a enfin j'ai peut-être plus développé des personnages et tout ça, mais c'est pour ça que sur le moment j'avais quand même un peu une frustration, mais franchement, c'était tellement exceptionnel. Alors, il faut quand même prévoir ce coup-là. Ouais. C'est-à-dire que vos personnages font tellement partie de cultes différents, qui ont tous des intérêts différents, qu'il faut réussir à gérer les tensions entre les personnages. C'est ça. Et je dirais qu'il faut quand même faire l'effort pour les joueurs et pour le maître de jeu que ces personnages aient quand même un but commun qui, totalement. Malgré leurs différends, les pousse quand même à travailler ensemble. Parce que sinon, la capacité que vos joueurs vont avoir à s'entretuer ou à se faire des coups en traître qui sont bienvenus, hein, mais voilà. Puis moi déjà à cette époque là et pourtant j'avais déjà de l'expérience de Genesis, j'avais déjà joué en ton sang, j'avais déjà tout le recul, et là encore, malgré l'expérience que j'avais, et puis je fais du jeu de rôle et du joueur versus joueur, on en a fait un milliard de fois dans le jeu de rôle, malgré tout ça, l'univers est tellement limpide, il y a tellement d'implications, c'est tellement sérieux, il y a tellement d'enjeux, que malgré la session 0 et tout ça, encore, on était un petit peu border. La preuve, juste après, juste à la création de personnage, Sofiane fait encore une erreur de création de personnage. Et on se retrouve une nouvelle fois dans un personnage qui arrive. En fait,
c'est très important de que tout le monde trouve sa place. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est très, très dur. Il faut quand même faire un effort. Comme ce que je vous ai dit, voilà, par exemple, même si ça va à l'encontre de ce que vous pensez dans votre roleplay, bah à un moment, faut que. Voilà, c'est pour ça que je suis allé essayer de sauver Madou, ce qui est très cool. Ça ouais. Voilà, faut quand même faire certains efforts. Pour ça, je regarde dans le jeu de Massacre, on a été bien meilleur. La création des personnages, on a été bien meilleur parce que là, pour le coup, bon, déjà, on avait. Une unité de culte, ouais. Déjà, premièrement, sur deux personnes, c'est bien qu'il y a la moitié du groupe qui fasse partie du même culte, c'est toujours cool. Parce que ça, ça crée un lien. Moi, toujours, je partage pas trop cet avis là, tu le sais. Mais... Ouais, je sais, c'est. Moi, j'aime. Moi, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que en fait, ça donne une orientation de culte à la campagne. C'est-à-dire que donne un point de vue culte. Oui, oui. Alors que sinon, je suis obligé de diviser ma campagne en 1, 2, 3, 4. Ben ouais, en fait, mais c'est pour ça que c'est vraiment dans la création de perso, faut vraiment créer en tout cas un objectif principal. Qui soit un transition parfaite. Sofiane, qui jouait le juge, dit j'ai plus d'intérêt à jouer mon juge, moi il s'en va, voilà, ouais. Donc je crée un personnage. Et donc vous créez deux helvétiques. Oui, Jürg. Jürg. J'ai fait la figurine aussi. Trop cool. Donc Jürg, c'est un vieil helvétique et Fred du coup fait aussi un helvétique. C'est ça. Alors les helvétiques, faut vous dire, c'est les survivants de l'armée suisse qui ont construit des énormes forteresses dans les Alpes dans lesquelles ils étaient barricadés pendant l'apocalypse. Et donc c'est les derniers qui ont des énormes pistolets. Le réduit alpin. Ils sont dans leur réduit alpin et puis ils ont survécu à l'apocalypse. Et donc du coup ils ont des technologies de ouf, mais ils ont plus la technologie pour les entretenir, donc ils sont vraiment sur le déclin. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est un truc qui est très intéressant de Genesis, c'est que les classes et les cultes de manière générale ne sont pas du tout égaux, et quand tu joues un helvétique au début du jeu, t'es 100 fois plus fort que donc il était 100 fois en termes de puissance, d'armure. Un défricheur, c'est un fusil, un canon, mais c'est il était 100 genre de, en termes de d'armes létales, il était 100 fois plus fort. Après, c'est cool, les helvétiques, comme ils ont très peu d'armement, tu n'as pas le droit de gâcher des balles, sinon c'est la honte absolue. Quand tu tires une balle, il faut que tu réussisses à la justifier, il faut que tu fasses absolument mouche, sinon tu es conspué par tout le monde. Et donc tu as quand même ce truc là de te dire j'ai un canon de ouf, mais je l'utilise pas pour faire n'importe quoi. Et donc eux ils partent sur ça, ce qui est très très cool, ce qui est ultra logique, ce qui est cohérent, ça va les pousser à faire la campagne parce qu'ils enquêtent sur la mort, donc c'est à côté de chez eux, tout concorde. Et Sofiane décide de faire une apocalyptique. Ouais. Et là, je me rappelle que vous êtes allé vous coucher à, je sais pas, un peu avant minuit. Et moi, je reste avec Sofiane jusqu'à 2h du mat. Ouais. À débattre sur ce qu'il devrait faire, etc. Et je me rappellerai toujours, Sofiane, sur une petite vidéo, tu le sais, j'insiste sur le fait de lui dire, mec, attention, ils vont te buter. Ils vont te buter. Ouais, non, t'inquiète pas, etc. J'ai un apocalyptique, c'est compliqué à jouer, c'est même. À intégrer dans un groupe comme ça, ça peut être galère. Les apocalyptiques, portent très bien leur nom. Voilà, voilà, c'est le culte après nous le déluge. C'est clairement ça. Sex, drogue, rock'n'roll, on va tous mourir à 30 ans. C'est ça. Fait et en plus, il veut jouer une gamine qui est motivée par la spiritualité et des cartes. Et donc, je dis, mec, joue un apocalyptique, mais je donne des tips. Je dis, fais un apocalyptique qui est amoureux d'une anabaptiste et qui, par amour, veut trouver. Et pour prouver sa bonne foi, veut trouver qui a tué. Tu vois, on aurait dû faire un apocalyptique qui a l'habitude de bosser pour les helvétiques, qui bossent tout le temps ensemble. Par exemple. Enfin voilà. Mais non, il avait son idée très précise. Oui, mais non. Et du coup, il a très très mal vécu la fin parce que. Quand on joue purement roleplay, et ça la différence. Quand on joue comme ça, mais que c'est tout le monde joue. C'est nous qui jouons les personnages. Ça n'a pas sens. Mais quand on joue purement roleplay. Eh ben des fois on a du mal à trouver sa place dans un groupe de Genesis, parce que si c'est mal fait, si le groupe est mal constitué, tu peux te sentir à l'écart, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de sens d'être là, etc. etc. Alex s'est très bien intégré avec son chroniqueur parce qu'il était là avant, parce qu'il a pu donner les infos aux helvétiques, on ne sait pas si c'est ça, et les accompagner dans ce truc-là. Donc il a. Et puis tu vois, rétrospectivement, je trouve qu'Alex on aurait dû mieux l'intégrer. On aurait pu. Mais non, je pense qu'on aurait dû. Parce qu'il y avait vraiment le côté, tu vois, on le soupçonnait de faire des trucs bizarres dans notre dos, alors que vraiment on aurait dû bosser. Il soupçonnait, il faisait quand même aussi pas mal de trucs bizarres dans notre dos. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que. C'est légitime. Non, mais c'est pour ça que. Mais après, on pouvait pas savoir, tu vois, parce que c'est ce jeu de rôle qui crée de la division très facilement. Donc insistez bien là-dessus. Et donc c'est un peu dommage, tu vois. On se dit, c'est dommage que Sofiane n'ait pas kiffé sa fin de campagne. Mais ça arrive, moi, je crois que ça m'était jamais arrivé. Quelqu'un qui sent vraiment. Enfin, qui vit pas bien, quoi. Donc ça arrive, voilà. Ouais, ça arrive. Et puis ça a été surtout sur le dénouement final où il disait. Son ressenti, ça a été, ouais, mais en fait, j'ai l'impression que.
j'ai pas servi à grand chose, que j'avais pas d'intérêt, j'avais pas besoin d'être là, etc. Mais c'était vrai. C'était 100% cas, c'est ça, c'est le son ressenti était réel. Dans le sens où la manière dont il s'intégrait à l'histoire, le groupe avait été rechangé au cours de la partie et tout. Et il avait une présence artificielle. Et en plus, c'était un électron libre. Ouais. Ce qui faisait que je me rappelle de cette scène avec la fameuse bague là, où tu regardes Sophia, tu braques la gamine, toi, tu vois, tu viens, et il y a, c'était, donc tu étais dans son roleplay, et il continue à faire sa connerie, et là c'est Lucas qui joue avec, qui dit, mec, Sofiane, c'était vraiment obligé, mec, tu te rappelles, je m'arrête, là, genre, c'est, on enlève le RP, on a fait, mec, tu sais ce qui vient de se passer là, tu vas recréer un personnage. C'était le Deus Ex Machina qui te parle, mec. Arrêtez comme. Et c'était marrant. Enfin, ça a été marrant. Mais effectivement, qu'il a été un peu sur la fin parce que le c'est le gros risque avec des Genesis, c'est que c'est un univers quand on veut. Et si le maître du jeu veut vraiment faire respecter les codes et qu'on a envie que ça soit aussi magique, qu'il y ait vraiment ce dilemme, il faut vraiment bien travailler là. Et puis pour vous dire, moi sur la constitution du groupe et la projection, enfin Black Atlantic, on va sûrement le faire en 2024. Ouais. On commençait déjà à réfléchir à des liens, à des trucs, parce qu'on s'est dit il faut que la campagne marche, que tout le monde ait du sens et que tout le monde arrive à trouver des liens. Jeu de massacre, c'est, je pense, la part. Ben, on a fait un petit one shot où c'était pareil, on avait réussi à trouver. Oui, c'est ça, voilà. Mais une fois qu'on a trouvé comment ça marche, essentiel maintenant. Une fois qu'on a trouvé comment ça marche, c'est vraiment cool. C'est très cool. Il faut vraiment pousser les joueurs à. En fait, il y aura tellement de dilemmes, il y aura tellement de divisions. Il y aura tellement de points de vue différents, de d'enjeux différents, que si les joueurs ne sont pas tous soudés, c'est trop. Ça, moi, c'est trop pour le groupe. Vous avez largement assez d'ennemis dans des Genesis pour pas vous en créer au sein du groupe. C'est ça. En fait, c'est tellement un scénario bien ficelé ou une campagne des Genesis va tellement vous mettre dans un contexte de réflexion et de dilemme et de conflit. C'est-à-dire tellement interne, létal. Enfin, c'est ça. Qu'il faut absolument que votre groupe soit, alors pas nécessairement du même culte, mais que voilà, lui c'est le frère d'un tel, eux c'est des frères d'armes, lui il fera tout, il est amoureux d'elle, enfin voilà, qu'il y ait un truc qui fasse que, en fait, quoi qu'il arrive, ils sont ensemble. Bro forever. Ouais, voilà. Et donc, ben, on peut arriver à la fin du coup, mec. Ouais, totalement. Donc là, il se passe plein de trucs, ils combattent des insectes géants. Voilà. Alors la fin, c'est vraiment un gros climax, quoi. La fin, il se passe vraiment des trucs très très cool, vraiment des trucs de ouf. Alors attends, j'aimerais un peu plus avant la fin. On a un passage où il y a une scène que j'avais révisée je ne sais combien de fois. C'est un monologue d'un personnage qu'ils ont vu un milliard de fois. Ah oui, ça, pardon. Et qui se passe à un endroit précis. Et des Genesis, c'est écrit sous forme de timeline. Comme on le disait. Telle heure, il y a ça. Et donc, techniquement, si vos joueurs ne sont pas à tel endroit, soit tu trouves un moyen, un subterfuge de le faire apparaître à tel ou tel endroit, mais ça peut dériver ton truc et te retrouver dans la merde. Soit, bah, ils l'ont pas vu. Et c'est pas grave. Il y a des choses qu'ils voient pas, mais c'est pas grave. Mais il y a des scènes comme ça, quand tu les lis dans le bouquin, tu te dis, mais ce passage-là, là, ce monologue devant une foule et tout, va être tellement ouf que tu veux que ça passe. Et je me rappelle, il y a tout, donc je pose le ton. Mais là, je pose l'intrigue. Mais là où t'as été con, c'est j'ai été trop con. On était dans une maison, il nous a dit, et là, il commence à y avoir quelque chose au bout de la rue. Mais je l'écris, je donne le ton et tout, mais ce qui est normal. Et puis, c'est trop logique. En fait, t'aurais dû nous dire, vous arrivez là, et là, il se passe ça. Parce que là, on était loin. Ouais, t'es dense, protéger. Parce que, mec, ça s'entend, ça crie, il y a des gens qui marchent. C'est très cinématographique, tu vois. Mais c'est ce que je m'en veux un peu, parce que du coup, nous, on fait. C'est logique. Bah, on se barre par la porte de derrière et on pète des fenêtres et puis on se barre dans la rue parallèle. En fait, ce qui est très drôle, c'est que t'es tellement immergé dans l'histoire que quand les gars te disent, il y en a un qui dit, ouais, on casse, en fait, on se casse. Et que les autres disent, ouais, vas-y, on y va direct, c'est parti. Toi, tu reviens à toi et tu te dis, mais grave, c'est logique qu'il fasse ça. Et toi, t'as été en mode, tu ok, bah, effectivement, vous sortez. Et c'est logique, en fait. C'est totalement logique que les mecs, ils vous sortent pas. Et je voulais quand même dire, bon, vous voyez pas, c'est HRP. Oui, voilà ce qui se passe. Et ce qui est très, très. Ce qui est encore une fois, vous l'apprenez, moi, je la ferai sûrement une troisième fois en ton sang. Et j'espère un jour la faire en actuel play. Encore une fois, ils partent du principe que les joueurs vont intervenir dans cet événement-là. Et effectivement. Moi je me suis retrouvé aussi en difficulté avec ce scénario ultra linéaire qui fait que
sans certains éléments, les joueurs sont littéralement bloqués. Et ce qui fait que pour trouver le passage secret du cloître et tout, bah c'était pas possible. Ouais. Parce que la nana avait pas été sauvée et tout. Et là, tu te trouves dans un truc où tu te dis, ah, effectivement, ça fout la merde. Ouais. Et donc, le après, on a des très bons joueurs, c'était une très belle table, on a des bonnes capacités d'adaptation, donc ça a passé. Ouais. Mais effectivement, c'est moi vraiment, si vous êtes MJ et que vous jouez à des Genesis, c'est dur dans le sens où il y a plein de petits trucs à la con comme ça, où il faut pas se... C'est super bien écrit, donc t'as envie de suivre le truc, mais il faut essayer d'anticiper les pièges, les trucs, les merdes qui peuvent... En fait, il y a plein de clés de voûte dans la campagne, ouais, qui fait que si ça se passe pas, ça se passe pas, ben là, ça coince en fait. Donc faut être très vigilant, mais super souvenir, putain. Incroyable. Et donc, ouais, bah, bon, je dis, on peut arriver là vers la fin, parce qu'il y a un dernier petit coup d'éclat. Et disons qu'il y a des boss de fin, voilà. Ouais. Des boss de fin impétables. Enfin, c'est vraiment, la situation est très très tendue, c'est très très chaud. Et moi, étant un soldat, un vieux soldat aguerri, je dis, bah, moi, je prends mon fusil et puis... Lucio Bastardo. Ah, c'est ça, le Führer. La Führer. Batista, je disais, mais j'étais presque. Ouais. Lucio Bastardo. Et dans un dernier coup d'éclat, je dis, ben, je prends mon défricheur, je tire sur la bête, quoi. En plus, sur le... Non, mais en fait, justement, tu pensais que j'allais tirer sur un gros truc bien vénère. Ah oui, oui, oui. Fais... Le petit, là, à côté, spoilons, s'en fout. Ouais, bon, si vous êtes là, vous pouvez arrêter la vidéo, c'est alors, ça. Pas ou alors je mettrai un timecode, retrouvez-nous ici. On spoil la fin. Boum, gros mot des Genesis qui arrive, qui défonce tout le monde. C'est ça, c'est la merde. Bargus déteste, ouais. Monsieur. Horrible donc, monstre qui défroille. Là, donc là, c'est le climax de fou, y a tout, c'est le bordel. En fait, il vient chercher un jeune gamin qui est un homo des Genesis, mais qui est très jeune, quoi, voilà. Ouais, qui est bloqué dans une tour, donc il le libère et tout. Ouais. Et là, truc de fou ce qu'il réalise, c'est qu'il tire... Pas sur Bar... Enfin, le gros monstre, il est en train de défoncer tout le monde. J'étais en mode, mais jamais on va pouvoir le buter, quoi. Il tire sur... En fait, le petit, c'est un homo de Genesis aussi. Hein. Et lui, c'était un peu une Vicos. Et... Je vois bien qu'il est tout kiosque comme ça. Et il tire. Il tire sur Vical et il fait un super jet. Et moi, je suis là. Je me dépasse cette de lumière. Je vois tous mes dés, là, j'ai lance. Putain, mec. Je fais pas plus que toi. La balle part. Et je me dis... Ouah, ça va peut-être pas le tuer quand même. Je regarde la vie de Vical, mais il est raide mort. Raide. Il est raide mort, Vical. Jurg, ce héros. Du coup, grosse tournure, ça prend une toute autre tournure la campagne. Barguez qui était venu sauver, son plan échoue. Ouais. Il hurle et tout. Et moi, je dis toujours, parce que moi, chaque. J'ai payé cher. Oui, tu as payé de ta vie. Mais dans mes campagnes, j'essaie de faire en sorte que c'est toujours canon. Ouais. Tout ce qui se passe, et puis c'est très cool parce que toi aussi tu crées tes personnages canons aussi de manière générale. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que tous les personnages sont liés les uns aux autres. Ouais, ça c'est tous très cool. Tous les personnages que j'ai créés dans... Et du coup, c'est canon. Et effectivement, Jurg a tué Vical, et dans l'univers de Genesis qu'on joue, Vical est mort. Ouais. Barguest a échoué. Il est un homme de Genesis sans moi. Et puis c'est un, je veux dire, un homme pour un homme de Genesis, c'est en termes de... On avait dit, hein, une balle à mort, hein, les Helvétiques. Ouais. Et, sauf qu'évidemment, bah, le gros Barguest, le gros monstre, l'homo de Genesis, m'a réduit en poussière après. Hein, voilà, il m'a détruit, ce qui a quand même permis aux autres de s'enfuir. Après, ils ont réussi à le buter. Ouais, alors très marrant, on était tellement dans le roleplay que. Alex, le chroniqueur, n'est même pas monté au cloître, il s'est barré avant. C'est vrai. Il a dit non, moi j'ai les infos qu'il me faut. Putain, mais Alex il se barre tout le temps avant les climax. Dans le jeu de massacre, il s'est barré aussi avant le climax. Putain, ouais. Bon, spoilons pas. Ah oui, c'est marrant. Du coup, voilà, c'est comme ça que c'est terminé cette campagne. Ce jour. C'était ouf. Ouais. Très c'est ça, mais en fait, il y avait quand même un mélange effectivement de frustration par rapport à ce qu'on avait vécu, que moi j'ai vraiment bien vécu par la suite, hein, voilà. Mais c'est ça qu'avec Sophia qui avait pas trop kiffé, on se dit. Ah, dommage, mais j'avais quand même envie de remettre le couvert, quoi, et de refaire la suite. Ouais, c'est ça, c'est qu'en vrai, c'était très très ouf, c'est que. Mais il y avait. Bon, après, je trouve que ça fait. Mais c'est vrai que le séjour s'est amené sur une toute petite touche, un petit coup d'amertume, tu vois. Ouais. Quand tu bois une bière bien amère, tu te dis, ah, c'était bon, mais ouais. Ça reste un peu dans la gorge, là, tu vois. Mais au final, je te dis, il y a des souvenirs incroyables, hein, moi. Ouais, moi, ça m'a marqué. Ouais. Et puis, je trouve que le fait que ça se termine comme ça, ça porte absolument bien le nom de cette campagne. Voilà, c'est beau, non? Merci les joueurs. Merci, et puis si vous ne connaissez pas des Genesis, allez-y, foncez. Et puis voilà, et puis merci Lucas pour ce JDR Story.
Bah ouais, on vous fait la suite du coup, on va faire ah on va ouais. enchaîner avec Jeu de Massacre là. Et ça sortira bientôt les gars. Et Jeu de Massacre c'est encore plus incroyable. Bah pour moi c'est la meilleure campagne de tous les temps, de Genesis déjà. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est parti. À toutes.